toujours agréable ce genre de soirée avec le petit cadeau. Non, c'est super sympa. Franchement, ouais. Nous, c'est la première année donc on est abonné. Mm. On l'a enfin fait parce que nous, la saison dernière, on a beaucoup regardé les matchs. Mm. On est beaucoup venu soutenir notre équipe de Toulouse. Mm. Donc, ça fait vraiment plaisir et là, on est chouchouté. Donc, que demander de mieux? Ben, c'est impeccable. En fait, on avait le choix sur 3 produits. J'ai pris les tasses. Hein. Nickel. Pour boire un coup toute l'année à la Saint-Étienne du Stade. C'est une surprise et puis c'est très agréable. En fait, on sent une reconnaissance du club vers ses abonnés. Bienvenue à vous dans ce beau pavillon ici pour cette grande soirée des abonnés. Celui qui est notre hôte finalement ce soir ici, Ernest Vallon, et qui va prendre la parole le premier. Merci de réserver le plus beau des accueils à notre président, monsieur Didier Lacroix. Oh oui, vous pouvez, parce qu'il le mérite. Bonsoir Didier. Suite à une saison 17-18 avec un classement à la troisième place qui nous allait parfaitement, sur lequel on s'est surpris ou même on a été très heureux de pouvoir reprendre du sourire, du jeu. C'est ce qu'on avait annoncé ici il y a un an et pour ça, je vous en félicite. Merci pour vos sourires, merci pour ces encouragements. Merci pour ce que vous avez fait autour de cette équipe. Oui, vous avez raison. Merci d'être venu déjà. Et puis effectivement, c'est la première fois que j'assiste à une présentation de ce niveau-là avec autant de personnes. Donc merci d'être venu et c'est une bonne surprise. Ce que j'ai en tête, c'est essayer d'amener toute mon expérience au staff, au club, à l'équipe et puis essayer de gagner un maximum de matchs. Un gros départ de quelques joueurs emblématiques du club, avec évidemment certains garçons qui étaient les derniers titrés, ou en tout cas les garçons qui avaient pesé dans le palmarès du club. Donc aujourd'hui, on a rajeuni grandement l'effectif, et donc voilà, on espère que chacun d'entre eux trouvera sa place. C'est une grande joie d'avoir accompagné, ou du moins fourni 6 joueurs pour cette grande Coupe du Monde des moins de 20 ans. Ils ont eu en plus le bonheur de la gagner. Ils sont jeunes, ils sont très bons et ils sont déjà champions du monde. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort! Ces garçons sont champions du monde! L'avant-dernier mot, il est toujours pour le public pour qu'il puisse les encourager. Et le dernier mot, il est sur le terrain pour pouvoir trouver des victoires et un avenir certain à cette équipe qui est très jeune, encore une fois, qui aura vraiment besoin de vous tout au long de l'année. Je pense qu'on peut d'ores et déjà les féliciter pour cette troisième place l'année dernière dont on est très fiers. Les féliciter de ce début de saison mathématiquement intéressant et que l'on devra confirmer tous les dimanches, en fait tous les samedis ou dimanches selon le jour où on joue, bien entendu, ça on le sait. Agréable de participer à ça et de passer un petit moment avec les joueurs. Ça permet de fidéliser les abonnés. Je trouve ce moment très convivial et sympathique. Voilà, on est tous un peu réunis et puis c'est pour lancer une nouvelle saison, un nouveau défi. Hey, ça fait énormément plaisir parce qu'on regarde tous ces mecs-là et ils nous font tellement de plaisir que nous aussi ça nous fait plaisir.